femme vertueuse, femme de valeur, c'est toujours avec un plaisir que nous recevons donc nos invités. Et ce matin, j'ai la joie d'accueillir Yannick Rosine. Yannick, bienvenue à toi. Je te laisse donc te présenter. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui, partager mon expérience. Donc, je suis Rosine Yannick. Je suis non-voyante, j'ai perdu la vue en 2017. Et voilà, je suis partie en métropole pour pouvoir acquérir quand même mon autonomie, rester quand même, pour vivre quand même, continuer à vivre normalement. Yannick, tu me permettras de revenir sur ton enfance. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Où as-tu grandi? Au milieu de quel type de fratrie? Et quelle petite fille tu étais? Petite fille. D'accord. Donc, j'ai grandi à la campagne de Rivière-Salée, les Marinières. On était à quatre filles. J'étais la dernière. Et petite fille, j'étais entre les deux. En fait, j'aimais bien rester seule dans mon coin. J'aimais pas trop déjà me mélanger. Je restais toujours jouer seule, mais quand on venait pour m'embêter, je devenais violente. D'accord. J'aimais pas, voilà. J'étais assez pas timide à la maison. Mais dès que je sortais, j'étais effacée. D'accord. Donc, petite fille réservée, voilà. Introvertie, je ne pense pas, mais plutôt timide et qui aimait bien donc ces moments donc de solitude. Voilà. Mais Yannick, c'était dû à quoi? Est-ce que tes autres sœurs avaient le même tempérament, je pourrais dire, ou est-ce que c'était Yannick qui était donc ainsi? Je pense que c'était Yannick qui était ainsi, puisque mes autres sœurs studieuses, moi j'étais la petite fille, on habitait à la campagne, donc pour moi la campagne c'était un grand terrain de jeu. J'étais jamais à la maison, donc là où les autres sœurs étaient assises pour faire les études et tout ça, moi je partais me promener sous les bois seule avec mon chien ou mon chat qui me suivait tout le temps. Donc pour moi c'était ça. Voilà, petite fille intrépide, voilà. Dont la campagne, l'environnement était donc son exutoire. Exactement. Et j'imagine que tu te sentais bien. Oui, voilà. Oui, c'était ça mon truc. Voilà. Être avec les animaux, voilà. J'aimais bien ce petit côté-là, c'était mon petit univers. Voilà. Et Yannick, quand tu as grandi, adolescente, est-ce que tu es restée dans ce même schéma de vie ou bien est-ce que tu t'es davantage ouverte aux autres? Ou bien est-ce que tu privilégiais toujours tes moments donc de solitude, d'échappatoire dans les bois, tes moments avec les animaux, ou est-ce que l'adolescente est devenue quelqu'un de différent? Alors, je suis pas, c'était pareil, mais il y a eu un événement qui m'a endurcie lors de mon adolescence, puisque bon, je suis ici d'une famille où mon père fait partie d'une famille, les familles en Martinique, où si on n'est pas dans le même, c'est une question de société. Et ma mère, c'est une Martiniquaise, on va dire quelqu'un de foncé de peau, et il existe ça toujours, malheureusement, en Martinique, où il y a des familles qui n'acceptent pas. D'accord. Ce genre de truc. Et mon père était issu d'une famille qui n'acceptait pas. D'accord. Et donc, quand j'ai connu, pour moi, j'étais quelqu'un de rejeté du côté de la famille de mon père. D'accord. Est-ce que tu as vécu ça comme une injustice qui t'aurait manqué, ou est-ce que tu as pu t'en affranchir en grandissant, reconnaître donc ta propre valeur, qui tu étais finalement, ou est-ce que, comment donc tu as pu t'affranchir de cette blessure incertainement que tu as connue? Donc, quand il est revenu, j'étais ado, et c'est là que je suis devenue très rebelle.
intérieur très rebelle. Voilà, ça a duré et je refusais parce que j'avais compris l'histoire. Quand j'ai eu mon fils, là, j'ai en tant qu'adulte, là, c'était un refus total. J'ai pas accepté du tout. D'accord. Donc j'avais un rejet de mon père, qui il a essayé malgré lui de s'approcher, mais. En face, il a vu qu'il avait une femme rebelle qui avait un caractère. J'étais très dure. Ah d'accord. J'étais endurcie par rapport à lui. Donc du coup, ça s'est pas bien passé. En fait, je refusais sa présence. En fait. Et est-ce que vous avez pu communiquer donc sur cet état de fait, le fait donc que vous avez été rejeté par sa famille, est-ce que tu as eu l'occasion de t'asseoir avec lui, peut-être un moment, d'échanger et de mettre les choses à plat? Est-ce que tu as eu cette opportunité de lui dire qu'est-ce qui t'avait rendu ainsi, pour qu'il comprenne? Non. Il y a eu un manque de tact déjà. Je n'ai pas eu cette occasion parce que j'étais dans une période où pour moi c'était non. D'accord. Je le voyais comme l'homme qui m'a rejeté, l'homme qui a été lâche, qui n'a pas assumé, voilà. Parce que moi j'étais mère à ce moment-là. Et tu as donc fermé les portes. Oui, voilà. Pour moi c'était pas un père. Il n'avait pas droit à ce titre. D'accord. Il n'avait pas assumé. Voilà. Comme tu l'entendais. Mais dis-moi, avec donc ton enfant, est-ce que tu as pu donc le protéger, est-ce que donc cette fin de non-recevoir a impacté ta relation avec ton propre fils? Ben justement, j'ai pas voulu répéter l'histoire. Donc du coup, j'ai eu un garçon et justement on était fusionnels, même trop. D'accord. Et le dialogue, parce qu'il y a eu ça entre nous, j'ai retenu ce manque de dialogue. Je discute beaucoup avec mon fils depuis petit. Je lui explique les choses, il n'y a pas de tabou dans les situations. D'accord. J'ai pas mis de tabou avec lui. Ok, donc tu n'as pas reproduit ce schéma. Voilà, parce que je sais que c'est là où il y a eu un manque, c'est là où il y a eu un manque de ce côté-là. Donc du coup, moi, et il le connaissait, je lui ai raconté, parce qu'il me disait qu'il voyait mon père, pourquoi ce monsieur me fixait. Donc il m'a demandé un jour, et là je lui ai expliqué. Je lui ai vraiment parlé, je lui ai dit ce qui s'était passé. D'accord. Yannick, après, tu es parti, donc tu me dis, donc vers la métropole avec ton fils finalement, et quelle direction tu as donné à ta vie? Ta vie de femme, ta vie de maman. Oui. Donc, moi, je suis partie en métropole parce que après toutes ces histoires, je voulais partir en métropole. J'ai dit à mon fils, bon, on va partir. Il m'a dit non, je ne veux pas, je veux continuer ma scolarité en Martinique. J'ai dit d'accord. Ben, quand tu arrives au bac, on part. D'accord. Mais je ne savais pas que j'allais avoir autant de soucis de santé au niveau, enfin, par rapport à ma vue. D'accord. Et c'est dans les années qui suivent, et il continue sa scolarité, je vois que je commence à perdre la vue. Donc je commence à consulter et tout ça, on essaie de rattraper. Et en 2012, je vois vraiment que ma vue, elle descend, je commence à ne pas assumer mon travail, etc. Donc du coup, en 2014, je pars en métropole juste pour une visite. Ok. Dans une grande clinique sur Paris. Et c'est là qu'on m'annonce que il y a plus rien à faire. Okay. Comment tu as reçu donc cette nouvelle? Comment tu l'as vécu? Une vie donc qui avait déjà été brisée par des relations difficiles, et quand maintenant tu te sens diminué physiquement, parce que perdre la vue c'est quelque chose. Yannick, comment tu as traversé? Comment tu as accueilli donc cette nouvelle? Bah,
quand je suis partie, bon, faut dire aussi que moi, j'avais une vie assez, j'ai eu le temps de fumer de la drogue, alcool. Donc, avant de partir en métropole, j'avais quand même ce côté où je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne savais pas encore comment Dieu dans la vie de quelqu'un. On sait qu'il y a un Dieu puisque j'ai vécu dans une famille catholique, etc. On sait que donc avant de partir pour cette visite, je disais bon, écoute, si tu existes, j'arrête de fumer le temps d'aller en visite, j'arrête. Mais révèle-toi à moi, certainement. Oui, voilà. Mais si tu es vivant, si tu existes, montre-moi que tu existes. Moi, j'arrête. Donc, je suis partie et j'ai arrêté le temps. Quand j'ai su le rendez-vous, la date du rendez-vous et tout ça, j'ai arrêté. Je suis partie en visite et en 8 heures de vol, le même jour, on enchaîne, hein, 8 heures de vol et tout de suite, on part en visite. Mm-hmm. Et en 10 minutes, on te dit que il n'y a plus rien à faire. Voilà, ça s'est passé comme ça. Quand je suis partie, j'étais en voiture avec ma sœur à Paris, on traversait Paris. Je sentais que j'étais dans une bulle. Il y avait des voitures. Je me rappelle de ce moment. Je me suis sentie vidée. Mm-hmm. Tu te sens vidée. Je n'entendais pas les voitures. J'avais l'impression que mon corps était là, mais il n'y avait plus rien. Mm-hmm. Est-ce qu'à ce moment, Yannick, tu continues de parler à Dieu? Parce tu l'as presque défié, je m'entends, hein, finalement, en lui disant, révèle-toi à moi. Voilà. Et puis là, cette nouvelle, ce choc, finalement, est-ce que tu continues cette petite voix, ta conscience te dit encore de lui parler, de faire appel à lui et de lui dire, il y a peut-être encore une solution? Non, c'était fini. Ah. Quand je suis rentrée, je me rappelle, ma sœur, elle m'a sentie tellement vide dans la voiture. J'ai entendu, tu veux un petit bonbon? C'était juste pour me réveiller un peu parce qu'elle a senti que j'étais partie. Mm-hmm. Et quand je suis rentrée, je suis rentrée dans la chambre. Je pense que ce jour-là, j'ai dû pleurer, mais tout ce que j'avais, parce que c'était, j'avais trop, j'étais prête pour un résultat positif. D'accord. J'étais prête pour moi, j'allais ressortir de là, on allait me dire que on va vous opérer, vous allez retrouver la vue, voilà. Voilà. Mmh. Et quand j'ai dit non, tu n'existes pas, c'est fini. Ok. Je lui ai dit c'est fini, tu n'existes pas, c'est des bêtises, moi, c'est fini. D'accord. J'imagine que cette nuit a dû être l'une des pires nuits de ta vie. Ah oui, là, moi, je... Oui, Yannick, comment le lendemain, on se réveille, finalement? Parce que l'homme a cette capacité, moi, j'y vois la main de Dieu, hein, je parle comme ça, peut-être parce que je connais Dieu, tu me pardonneras, mais comment tu te réveilles le matin? Est-ce qu'il y a toujours une lueur d'espérance, d'espoir finalement, qui fait qu'on se tienne debout et qu'on continue malgré cette nouvelle terrible? Ben, avec le recul, c'est là où je vois que, avec le recul, hein, parce qu'à cette époque, je connaissais pas encore, quand on est touché par Dieu, par l'Esprit Saint et tout ça, on se réveille parce que on a un enfant. On se réveille parce que on respire et puis on a la santé, on est debout. Mm-hmm. Donc, on se réveille, on est là. Mais, dans ma tête, j'attendais que ça. Je lui ai dit, tu verras, quand je vais rentrer, pour moi, il fallait que je... Pour moi, j'étais comme une vengeance me faire mal à moi-même. Quand je suis rentrée en Martinique, pour moi, j'attendais que ça rentrait pour recommencer à fumer et boire, mais en double, c'était pire qu'avant. D'accord. Donc, tu envisages donc ton avenir sans espoir, particulier, sans espérance, dire que je rentre en Martinique pour retomber dans mon ancienne vie. Oui, est-ce que tu as pu mettre ce projet que tu avais, donc de recommencer, quand tu es rentrée, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il fallait l'annoncer à ton enfant, à d'autres personnes? Comment ça s'est passé? Déjà, j'ai dit à mon fils, hein, on discute au téléphone parce qu'il était déjà au lycée. Mm-hmm. J'ai dit, écoute, j'ai été, il n'y a plus rien à faire, etc. Bon, en entrant en Martinique, j'ai annoncé à ma famille. Bon, les proches, alors, faut dire à cette époque, je faisais 1m87 et je faisais à peine 50 kilos. Wow.
je faisais entre 55 et 60 kilos, hein, même pas 60 kilos. Et en plus, j'ai appris encore un décès dans la famille. Ça, c'était début 2017. Donc, du coup, même les gens qui étaient autour de moi, qui fumaient, qui buvaient avec moi, ils me voyaient. Mais, et c'est longtemps, ils m'ont dit, mais t'avais la peau sur les os. On ne savait pas quoi te dire. Mais j'avais tout ça. Et j'avais toujours le sourire. Donc, j'avais un truc qui me rongeait à l'intérieur. Mais pour mon fils, pour les autres, ma famille, qui n'acceptait pas eux-mêmes que le fait de me voir perdre la vue, tout le monde était mal à l'aise. Donc moi, il fallait que je tienne, je fasse un truc. Je rigolais avec tout le monde, mais à l'intérieur. Et le soir, quand mon fils y dormait, parce que je ne pouvais pas me permettre de pleurer, de me lâcher devant mon fils. Et quand il partait au lycée, la journée, j'étais là, je passais mon temps à fumer. Le soir, quand je savais qu'il allait rentrer, bon, il avait toujours son repas, tout. Par contre, toujours le rôle de mère, voilà. Et puis le soir, quand il était endormi, je restais tard devant la télé et à peine le peu que je voyais à la télé, puisque on se voit perdre la vue. C'est ça qui est le plus terrible. C'est voilà quoi. Et puis je dis à mon fils, bon ben comme je l'avais promis, que j'avais dit que arrivé à son bac on va partir, mais arrivé au bac je vois que j'ai plus rien, pratiquement plus rien comme vue. Mais j'ai quand même ce truc qui me dit, tu parles. D'accord. Yannick, je suis impatiente d'entendre ce moment où cette voix qui vient, tu nous diras d'où finalement, te dira de tenir bon et qui fait que maintenant, tu es assis à côté de moi sur ce canapé. Tu as quelque chose d'important à nous dire. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Yannick dans quelques minutes. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Yannick dans ce témoignage bouleversant, passionnant, et nous la retrouvons donc au moment où elle a donc cette nouvelle, donc, qu'il n'y a plus rien à faire, donc, pour sa vue. Elle est rentrée en Martinique. Elle a retrouvé sa famille. Et Yannick va nous dire maintenant, qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, elle tienne bon? Ben, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait une belle rencontre. Je me suis réconciliée avec mon Dieu, mon père, mon papa, que j'appelle maintenant, je dis c'est mon papa. C'est au moment où j'ai quitté mon appartement, malgré tout, hein, j'avais deux voix qui me parlaient. Où tu vas? Tu ne vois pas, tu vas où? Et en même temps, tu déménages, mais tu ne sais pas où tu vas. Il y a un truc qui te dit, tu pars. Mais j'écoute, hein, j'y vais. J'ai déménagé, je suis restée un mois chez ma mère avant de partir. Quand je suis restée un mois, j'étais vidée. Je ressentais rien à cette époque. Et puis, c'est là où j'ai laissé, j'ai plus envie de fumer. J'ai tout balancé avec mon fils était témoin. J'ai tout balancé. J'avais un sac rempli, j'avais déjà fait mon stock parce que bon. Ben ce jour, j'ai tout balancé et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais touché à la drogue. Donc, c'était en août 2017. Avant mon départ, j'ai arrêté tout. Je suis partie avec mon fils. On ne savait pas où on allait. J'ai loué un appartement. J'ai pris mon portable. J'ai loué un appartement à Bordeaux. Je ne connaissais pas cette ville. J'ai pris un hôtel le moins cher. On est arrivé dans cette ville. On a été à l'hôtel. Et puis ça a commencé là, c'est là où il a commencé à œuvrer et puis me montrer. Tu m'as rejeté, je vais te montrer que j'existe et que je suis vivant. Est-ce que tu as compris qu'il était devenu tes yeux? Parce que pour partir, organiser sa vie alors qu'on ne voit pas bien, tu as dû comprendre un moment qu'il était devenu donc tes yeux. Pas tout de suite. J'ai compris qu'il était là avec nous, avec mon fils, parce que tout s'est enchaîné, appartement, etc., tout.
J'ai tout eu sans. Là où on me promettait 3 ans d'attente, j'ai même pas attendu 1 an. Mon fils a eu du boulot et tout ça. Et puis ça, après, j'ai dit non, il y a un truc, c'est toi. Et là, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. J'ai dit, maintenant, je sais que tu es là avec moi. J'ai eu un besoin de me rapprocher de lui. De t'épancher. Oui. Et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé avec, en écoutant Espérance FM. J'ai fait une rencontre d'une naturopathe parce que j'avais besoin de reprendre ma santé en main. En main. Et c'est elle qui m'a parlé, qui, en me donnant des conseils, j'ai fait un traitement avec elle. Elle me parlait en même temps, elle me disait « lis ce verset, lis ». Et ça me faisait du bien. Mm-hmm. Là où vraiment j'ai compris, c'est quand j'ai arrêté de chercher des solutions sur Internet pour avoir la vue. J'ai dit « mais père, mais je t'ai demandé quelque chose, tu m'as donné quelque chose, je suis en train de te demander quelque chose ». Que ça fait bien longtemps que tu me l'as donné. Tu m'as déjà donné. Tu m'as pas donné la vie physique, mais tu m'as donné la vie spirituelle. Mmh. Et ça, c'est énorme. Est-ce qu'à ce moment, tu voyais toujours un peu? Non, rien. Il y avait plus rien. Et cette vie spirituelle, je l'ai compris à travers les études, parce que, en fait, il m'a donné des choses que j'arrivais pas à expliquer. Et c'est à travers sa parole, si on n'étudie pas la parole, on ne comprend pas. Mm-hmm. Et c'est en étudiant la parole, parce que j'ai rencontré un groupe, le groupe de du frère Balthus Jéricho. Mm-hmm. Oh, c'est un passionné c'est un passionné de la parole. Et quand on l'écoute, moi j'ai eu des études, franchement, voilà. Et c'est là que j'ai compris ce qui s'est passé dans ma vie. Mm-hmm. Et Yannick, dis-moi, c'est vrai que si tu pouvais pas, je parle de lecture, de littéral, de la Bible, mais comment tu comprends que cette parole que tu ne peux pas lire avec tes yeux physiques finalement, comment tu acceptes et que tu accueilles que Dieu te le traduise, mais dans ton esprit, dans ton cœur, et que ce matin, tu y parles avec autant de passion, pas ses yeux physiques qui ne pouvaient pas lire la Bible finalement, mais comment tu accueilles cette parole que Dieu, il va traduire pour toi et qu'il va te permettre de lire, de comprendre et d'accepter. Ben, sa parole m'a... J'ai trouvé dans sa parole du réconfort. J'ai senti qu'il me parlait. Ne crains pas. Mm-hmm. Je suis là. Je suis une. Tu peux t'appuyer sur moi. Mm-hmm. Toutes ces petites phrases que j'entendais, ça me touchait et ça me. Non seulement intérieurement, ça t'apaise. J'ai trouvé une paix intérieure indescriptible. Je ne peux pas décrire intérieurement chaque mot. Quand j'entends chaque mot, c'est comment ça peut apaiser le cœur. Mm-hmm. Ça adoucit. Et c'est pour ça que je disais à quelqu'un, je ne sais pas si on trouve une solution. Moi, j'aime cette vue spirituelle qu'on m'a donnée. Je ressens. Avec cette paix, je ressens le caractère de mon papa qui est ce grand amour. Peut-être que je recherche depuis toutes ces fois où je partais jouer seule. J'aime toute cette absence, le fait de rester. Eh ben oui, j'ai trouvé ce grand amour qui fait que j'ai les yeux ouverts, quoi, voilà. À travers cet amour infini qu'il me donne. Voilà. Et je t'entends donc ce matin, et je suis en train de me dire, mais elle a recouvré la vue. Oui, tout à fait. Voilà. La vraie oui. Vue finalement. Mm. Et on te sent apaisé, on te sent tellement bien. Oui, Yannick, complètement. Tu es en contact donc avec la parole de Dieu. Quel est ce verset? Cette histoire qu'on t'a certainement relatée, cette promesse biblique que tu aimes et que tu sers dans ton cœur finalement, et qui te permet de garder la vue sur tout. Ouais, il y a un verset, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Je n'ai pas vraiment... Mais le début, c'est « Ma grâce te suffit ». Voilà.
Et quand il dit que c'est dans la faiblesse que ma puissance se révèle. Et quand Paul il dit que je me glorifie dans la faiblesse, dans la souffrance, mm-hmm. ben c'est tout ce que j'ai vécu, quoi. Exactement. Et c'est maintenant que je vis cette expérience, c'est-à-dire pour moi, je n'ai pas... Oui, il y a des choses qui m'arrivent, j'ai des épreuves, mais je passe ma tempête. En fait, quand je traverse des choses, je suis en train de fêter la victoire de cette chose, parce que toutes mes tempêtes traversées, je sais qui... Quand je sais qui est à mes côtés, moi, j'y vais, je n'ai pas... Comme dit, je crois tu n'as pas peur du lendemain. Les craintes, comme j'ai entendu ce mot dans la Bible, il est répété combien de fois? Faudrait relever le nombre de fois ne crains pas et répéter dans la Bible. Et je l'ai tout le temps ce mot dans la tête, ne crains pas. D'accord. Yannick, je suis convaincue que tu encourages des gens, que tu es devenue une source d'encouragement. Dis-moi concrètement, comment tu encourages des gens dans l'épreuve? Ah, dans l'épreuve, il faut... moi, dans mes épreuves, hein, ce que je pourrais... Quand on connaît Dieu, quand on a Christ dans sa vie, l'épreuve est là, mais on ne le vit pas. Mm-hmm. Puisqu'on a Christ qui le vit en même temps que nous. On ne sent même pas la chose passer. Mm-hmm. C'est parce qu'on... c'est la foi, c'est notre foi qui grandit, parce que je prends toutes mes expériences pour grandir ma foi, mmh. faire grandir, et à travers tout ça, c'est là ma force, quoi. C'est le fait d'avoir cette relation père-fille avec mon papa céleste, parce que les gens parfois ils parlent de Dieu, mais est-ce qu'ils ont cette relation? Moi, je le considère vraiment comme mon papa, et donc pour moi c'est une vraie relation père-fille que je vis avec lui. Mmh. J'ai envie de dire ce matin, quelle revanche sur la vie, ces difficultés que tu as eues avec ton père naturel. Et peut-être que vous ne voyez pas ce matin les yeux de Yannick, mais je suis en train de la regarder et je vois la vie dans ses yeux. Et quand elle me parle de son papa, j'ai envie de te dire ce matin que Dieu s'est offert à toi comme papa. Et si tant est que tu aurais eu toujours un manque finalement, t'entendre et te regarder finalement, allez, je le dis, que tous les vides ont été comblés. Amen. C'est exactement ça. Moi, je n'ai pas de... Ma canne, ma vue, c'est plus un... En fait, il a... Et je pense que c'est le... Il n'y a que lui qui peut transformer un si grand mal en bien. Mm-hmm. Il y a que lui qui peut faire ça. Donc, je ne peux que m'accrocher. Et c'est lui, dans la vie de tout un chacun, qui peut faire ça, transformer là où on croit que il n'y a pas de solution à non. Non. Voilà. Moi, j'ai pu surmonter, et on m'a même proposé, parce que je fais partie d'une association, l'UNEDEV à Bordeaux. Oui, dis-moi. Ils m'ont proposé de voir un psychologue parce qu'ils m'ont dit, mais non, vous avez surmonté tout, toute seule. C'est pas possible, il vous faut voir un psychologue. Et j'ai dit, non, comment leur expliquer que j'ai eu le plus grand psychologue à côté de moi? Je n'en ai pas besoin. Je sais comment j'ai pu arriver à surmonter. J'étais pas seule. OK. La transformation de la rebelle, permets-moi. Ah oui, oui, totalement. Et je suis contente parce que j'ai retrouvé cet amour. Parce que moi, moi, c'est toujours ça que je mets en avant. Quand je parle de... on me pose des questions à l'assaut, des gens qui ne me connaissent pas. Alors, je ne vais pas directement leur parler de Dieu. Voilà. Mais je leur dis que l'amour, moi, je passe par l'amour pour expliquer tout. OK. Et tu transmets ton expérience. Voilà. Yannick, j'ai envie de dire ce matin que tu es devenu le message finalement. De ta vie, ta manière donc de nous témoigner ce matin, tu es devenu le message. Et quand bien même tu n'as peut-être plus besoin de parler, parce que moi dans ton regard ce matin, je suis plongée et j'y suis attachée finalement. Et je vois tellement de douceur. Ah, je oui. vois tellement de bienveillance que j'ai du mal à refaire un lien avec le témoignage de l'adolescente, de la petite fille. Et permets-moi, oui, j'ai le droit de rendre gloire à Dieu ce matin. Amen, bon, il faut.
parce que c'est toutes ces transformations. Moi, je n'ai aucun mérite, parce que s'il fallait que j'écoute toujours Yannick, ça se trouve, je serais toujours à la cité en train de traîner avec les gens, fumer, machin, non? Ouais. Mmh. Et c'est pour ça, moi, quand je reviens, je retourne là-bas. Ouais. Et il me dit, mais comment t'as fait? Et je leur explique. Et c'est pour ça, des fois, les gens, ils te disent l'apparence parce que j'ai des locks et tout ça. Mais peut-être que Dieu ne sélectionne pas les gens. Il sait, quand il va vers, il sait. Et s'il m'a touché, c'est pas parce que j'ai des locks, ça va peut-être me permettre d'aller là où il y a des gens. Ils ont des locks, ils vont peut-être, parce que j'ai des locks, ils vont accepter ce que je leur dis. Voilà. Yannick, au début de ton témoignage, tu me disais, quand tu devais pas en tirer la première fois, tu avais jeté presque un défi à Dieu. Si tu me répondais, je ne fumerais plus finalement. Mmh. Il y a certainement des gens ce matin qui sont pris dans des addictions. Mmh. Quel message? Comment tu pourrais leur dire d'écouter cette petite voix de la conscience qui, en tout homme, en toute femme parle à un moment? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens qui sont encore pris dans des addictions? Je sais que c'est pas facile, donc je parle peut-être pour une maman qui a un enfant qui est dans l'addiction, ou la personne même est dans l'addiction. Un moment, j'ai cru que je me disais, on a toujours ce côté négatif qui va nous dire, tu ne vas pas t'en sortir. Mm-hmm. Mais c'est faux. À un moment donné, il faut plus écouter. Et puis, même quand je fumais, parfois, j'étais là, hein, pendant que tu roules en jeu, tu te dis, ouais, je veux arrêter ça. Il faut que j'arrête. Mais tu continues parce que tu te dis qu'il y a un côté, si on écoute le corps va nous demander. Mais l'esprit, c'est pas, on doit écouter l'autre voix. D'autres voix. Voilà. Parce qu'on dit souvent que le corps a aussi une mémoire, finalement. Exactement. Exactement, mais il y a cette voix qui va, qui parle, oui, donc au-delà, et qui nous ramène plus près de notre Dieu. Et ne jamais se dire que je ne pourrai pas, c'est faux. Mm-hmm. C'est faux. On aura toujours cette voix qui va nous dire que tu ne pourras jamais arrêter ça. Parce que des fois, je me disais, mais comment je vais faire pour m'arrêter? Comment je vais faire pour m'endormir? Comment je vais faire pour profiter? Non. Sans ça, on arrive à profiter de la vie. Et encore, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On profite encore mieux de la vie. Exactement. Sans. Parce que on est né sans. Exactement. On est né sans. À travers cette rencontre. Voilà. Voilà. Donc ce matin, le témoignage, il était passionnant et on aurait voulu rallonger le temps. J'ai rencontré ce matin avec tellement de plaisir et j'étais particulièrement attachée à ses yeux. Ses yeux, certainement, Yannick, tu nous dis qu'il ne voit plus, mais au-delà de ses yeux physiques finalement, j'ai rencontré d'autres yeux. Finalement, du courage, ouais, de la bienveillance, de la résilience, mais particulièrement beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Je veux te donner l'occasion de dire un dernier mot. Que Dieu est amour. Voilà. Dieu est amour, on a un Dieu qui est vivant, qui nous écoute et qui répond. Voilà. Femme vertueuse, femme de valeur, merci Yannick. Merci pour ce moment tellement poignant que tu as partagé avec moi et avec tous ceux donc et celles qui vont t'écouter. Nous vous donnons rendez-vous avec une prochaine femme.